Regardez, j'ai fait mes cils, c'est trop beau. Enfin, j'ai fait un remplissage. Moi, j'aime pas quand c'est trop long. Mais là, c'est parfait. Parfait, parfait. J'adore. C'est toujours au même endroit. Je vais vous mettre son contact juste ici. Elle fait ici, elle fait les blanchiments dentaires. Elle fait le candy lips. Elle fait les brow lifts. Et moi, je viens spécialement pour les poses de faux cils. Parce que vraiment, c'est la seule qui me fait les cils. Et mes cils, ils bougent pas, ça s'arrache pas. C'est vraiment top, genre vraiment très top même. J'aime trop. Trop belle, ma bébé d'amour. Bonjour. Regardez qui j'ai retrouvé. J'ai remarqué quand je te tourne sur ma téléphone, je fais comme ça. Vas-y toi, vas-y, vas-y, parle-moi pas, m'adresse pas la parole. Putain. Anja, vas-y, on y va, le Uber il est là. Non, je veux. Donc quand on va arrêter de travailler ensemble, on sera plus amis, genre. Bah non. J'ai compris en fait, moi j'ai plus de copine. Non mais rupture de contrat, ça y est, fin août, c'est fini, classe. Ok, je vous explique dans les grandes lignes. Ouais, en fait, il faut savoir dans que... dans les grandes lignes. Ouais, dans tu les grandes lignes. Je ne pourrais pas raconter dans les grandes lignes. Explique rien du tout, en fait. Coupe ton snap. Ma baby, c'est trop ma cam. Putain, je suis avec Anja et en fait, on discute et je me rends compte que moi, je suis complètement folle. Je fais rentrer n'importe qui dans ma vie. Je raconte ma vie à tout le monde. Je suis une hamara, vraiment. Mais parce que je vais vous expliquer un truc. Nous, en Suisse, la mentalité, j'ai remarqué, elle est super différente que la mentalité en France. Et c'est vrai qu'on est très, on est très chaleureux. On accueille tout le monde chez nous. On sociabilise beaucoup avec les gens et tout. Et c'est pour ça que au début, genre Anja, genre parfois elle me dit parfois quand on est dehors et tout, genre on fait connaissance avec des gens, genre normal, elle dit jamais son vrai prénom et me regarde toujours en mode, mais je sais pas que mon vrai prénom, genre je dis jamais rien en fait. Ouais, elle raconte rien sur sa vie, genre rien. Et en fait aujourd'hui je comprends pourquoi ici en France tout le monde ment, pas tout le monde ment, mais personne dit la vérité sur sa vie, parce qu'en fait moins t'en dis, et mieux c'est pour toi, quoi. Bah oui. Et en fait, chez nous en Suisse, il n'y a pas de ça. C'est comme quand elle est venue en Suisse, elle me dit, et je l'ai sortie une fois en boîte. Elle m'a dit, mais ça n'a rien à voir. Genre, chez nous en Suisse, c'est pump it up. Genre, il n'y a pas de genre, si j'ai pas de table, je sors pas. Nous, avec mes copines, on sort, on va sur la piste, on prend un verre au bar, fin, quoi. Elle me dit, elle, ici, il n'y a pas ça, genre. Ici, ça se passe pas comme ça, genre. Tout le monde danse et tout. C'est vrai que ici, quand je sors et que je suis en boîte de nuit à Paris, des chorégraphies, on dirait, ouais, on fait des chorégraphies, non, juste à Paris, quand je sors, on dirait, genre, on est au musée, genre. Tout le monde se regarde, genre. Il n'y a personne qui s'amuse. Nous, en Suisse, on s'amuse, on danse, on fait des chorés, on fait des cercles, bref, on s'amuse, quoi. Je crois qu'on a la... Street dancer. Ouais, street dancer. Non, mais c'est pour dire que je comprends, parce que la mentalité, elle est vraiment différente et c'est trop dommage. C'est vraiment dommage. Et moi, je suis une imbécile parce que j'ai fait rentrer n'importe qui dans ma vie. J'ai raconté des trucs intimes sur ma vie. Voilà quoi, c'est pas grave, ça m'apprendra. Il n'y a pas à apprendre encore des trucs à 28 ans, c'est bon. Enfin, 27 ans, faut que j'arrête de me dire, j'ai 27 ans. Enfin, si, on apprend toujours, tous les jours, c'est normal et on continuera toujours d'apprendre. Mais genre, ça, c'est la base. La base dans les relations humaines. On m'a toujours dit, arrête de raconter ta vie aux gens. Arrête de faire entrer n'importe qui dans ta vie. Et c'est vrai, les énergies, ça se mélange. C'est pour ça qu'Angèle me dit, moi, je dors pas avec n'importe qui. Si ça, ça. Alors que moi, je peux. Genre, une meuf que je connais pas, voilà, si ma copine, elle l'a ramenée chez moi et tout, ça va pas me déranger si elle dort avec moi. Quoi. Sérieux ? Bah non. Mais t'as raison. Mais aujourd'hui, personne dort avec moi maintenant. À part moi. À part toi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas faire rentrer n'importe qui chez soi. Et c'est grave, la vérité. Genre, vraiment la vérité. Mais bon, on apprend nos erreurs. Tant qu'on comprend, après, c'est l'essentiel. Et j'espère que j'ai compris cette fois, parce que putain, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas la première fois. Toi,
toute façon, toi, t'as fait rentrer personne chez toi. Non, mais quand je dis chez moi, c'est genre dans ma vie, genre. Non, bah ouais. Mais sur ma vie, que c'est la vérité. Genre, on se croirait, genre, vraiment, genre, au musée. Genre, tout le monde se regarde. Alors que quand tu sors, genre, c'est pour faire la fête, t'amuser, danser et tout. Tout le monde se regarde. En fait, les gens, ils sortent juste pour se la péter, et montrer, et envoyer, et voilà, quoi. Je trouve que c'est nul. Une fille qui a dit, elle connaît ta pote, elle connaît MDR, never my girl, comportement. En mode de rien dire sur sa vie, de mentir sur son prénom, sur son nom de scène. Non. Mais vous. Tu comprends? Sur ma vie, vous avez raison. La dernière fois, j'ai fait ça devant ma mère. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Elle m'a dit, arrête tes trucs de schlag. J'ai dit, qu'est-ce que t'as appris le mot schlag hier là? Sa mère, parfois, lui envoie des messages. Elle lui dit, t'es chelou. C'est trop mon rêve de parler d'Alija. Je sais parler que. Qu'est-ce qui se passe là dans ma maison? Je montre. Je montre que je sais parler rebeu. Donc je disais, mais t'en arrives, je n'ai pas de déjà. T'en arrives, je n'ai pas de halaka. Ah bah tu vois, je savais pas. Mais qu'une charge face à une Derija, c'était l'autre. C'était l'autre façon de parler. Donc moi je parle Derija, ok. Bah voilà. Ouais, vous m'amenez des trucs tous les jours. On va commencer à parler rebut ici. Je vois qu'il y a beaucoup de. Yallah.